Avec Donda, Kanye West pensait asséner un coup puissant. L'artiste américain a reçu une véritable douche froide de critiques de son nouvel album dédié à sa mère. Le grand magazine Pitchfork a cependant donné le coup de grâce, il note seulement 6/10 de le nouvel opus de Ye. Au passage, nos confrères américains attribuent un 6/5 de nouvel album de Peppa Pig, Peppa Adventures. Sur Twitter, le compte officiel de Peppa Pig n'a pas hésité avant d'aller au clash avec Kanye West. Peppa n'a pas eu besoin de présenter des listening parties dans des stades pour obtenir ce 5, a tweeté l'héroïne du dessin animé pour enfants, avant que ses propos ne la dépassent complètement et qu'elle préfère supprimer son tweet. Beaucoup ont quand même reconnu qu'il était un peu humiliant pour un album aussi attendu et discuté de recevoir un tel traitement sur les réseaux. Le 10e album de Kanye West arrive sans presque avoir été terminé. La musique de Kenny, qui a une fois dit que l'esclavage était un choix, qui a tweeté que Bill Cosby était innocent, qui a révolutionné le rap n'a pas fait un bon album en 5 ans. Comme tous les albums sortis sans l'accord de l'artiste, Donda n'est pas achevé. Long de 1h48, il comprend des moments euphoriques qui manquent de lien, peut-on lire sur le site de Pitchfork, parfois pas tendre avec l'ex-époux de Kim Kardashian.